Ce matin-là, il avait encore beaucoup plu. Le fleuve menaçait de grossir encore les inondations après que le passage du typhon ait laissé la campagne recouverte d'eau boueuse. Toutes les communications avaient été coupées. Les pylônes des émetteurs avaient été emportés par la crue. Les villages n'avaient plus d'eau potable et commençaient à manquer d'approvisionnement. Les tensions liées au contrôle du fleuve traversant les pays voisins commençaient à ressurgir. Je dormais profondément quand Ha, mon robot, me réveilla. Réveille-toi, il est 7h30. Oui, bon, ça va, je me lève. Pas de temps à perdre. Nous devons reprendre les recherches. Les manœuvres sont terminées depuis 3 jours déjà. Les militaires vont sûrement essayer de retrouver leur zone. Non, je suis sûr qu'ils ne viendront pas. Dans ce coin-là, la forêt est trop épaisse et le système de géolocalisation doit être en panne. Sinon, ils seraient déjà revenus. Ouais, bon, en tout cas, ne traînons pas. Rien ne sert de s'énerver, Tan. Je te rappelle qu'il n'y a plus d'eau courante depuis 2 mois. Tu as raison. Ah, vous avez de la chance, vous les robots. Vous n'avez pas besoin d'eau. D'après mes calculs, il ne devait pas être très loin. Pourtant, je ne capte aucun signal. Il doit être inactivé ou partiellement détruit. Là-bas, il y a une forme. Je vais aller voir. Ici, il est là. Super, c'est une XC-28. Il est assez ancien, il ne devrait pas être trop compliqué à remettre en service. De retour au village, nous rencontrâmes Tin, une amie d'enfance. Elle était responsable des communications du comité populaire. Oh, salut Tan. Bon, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est un drone d'observation très sophistiqué que l'armée a égaré pendant ses manœuvres. Ah bon? Ah mais je croyais que depuis qu'il n'y avait plus de conflit, l'armée ne faisait plus d'exercice. Peu importe, si nous réussissons à le refaire fonctionner, nous pourrons explorer les environs, repérer tous les villages qui ont besoin d'aide et porter des messages à Kante et même plus loin encore. D'accord. Mais alors dépêche-toi. Parce que dans son dernier message, Min disait que l'eau continuait à monter du côté de Longxuan. Et puis, avec tous ces problèmes de communication, j'arrive pas à le joindre. Ok, j'y vais. Je te recontacte. Ouh là là. Ok, j'y vais. Je te recontacte. Tu m'as l'air bien pressé de satisfaire ton ami. Bon, ça va, ça suffit. Pas le moment de plaisanter, on a du boulot. Je n'arrive pas à comprendre comment est foutu ce système. Je connais les composants, mais c'est vraiment une... Vous, les humains, vous êtes vraiment trop lents. Mais ne t'inquiète pas, une fois que j'aurai scanné tous les codes, je t'expliquerai. Hé, un peu de respect. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai construit et programmé. C'est vrai que sans vous, je ne suis rien. Et puis vous êtes si intelligent, créatif, sans compter votre énorme succès avec les filles. Ha se moquait de moi, il faisait toujours allusion aux années que j'avais passées au lycée. C'est là que j'avais appris à fabriquer des robots, 20 ans plus tôt. En plus, vous m'avez doté d'un certain humour, alors ne perdez pas le vôtre. Ah, Tan, t'étais où? Je t'ai cherché partout. Regarde ce que j'ai trouvé dans la forêt. Oh, encore une de tes gâchettes. Non, mais t'as vu la rivière? On ne peut plus sortir du village maintenant. Il y a 3 maisons qui vont encore couler. Si on avait fait à peine la tuer à notre déesse, on n'en serait pas là. Malheureusement pour les déesses, le monde s'est complètement déréglé depuis des dizaines d'années. Le delta est envahi tantôt par l'eau salée de la mer, tantôt par les inondations. Dans le village, une chaîne humaine plaçait des sacs de sable le long des maisons. Mademoiselle Tin, j'ai une bonne nouvelle. Des pays amis vont nous envoyer de l'aide. Les Australiens nous envoient des unités de production d'eau potable et l'Allemagne et Cuba proposent d'acheminer du matériel médical pour les dispensaires. Oh, mais c'est formidable ça! Mais comment on va faire pour les acheminer? Et à qui on va les donner vu qu'on n'a plus aucun contact avec les autres villages? Allô? Ah, Tan! Oui, que se passe-t-il? J'avais réussi à faire fonctionner le drone, il n'y avait plus que quelques réglages à faire. Tu vas voir, Tin, ça va marcher. Il va décoller. Et où il va aller, ton drone? Regarde! Je n'en menais pas large et priais peut-être un peu la déesse Tuyan pour que ça fonctionne. Quand le drone prit son envol, il y eut tout d'abord quelques images brouillées et très vite, elles se firent plus claires. Le drone volait au-dessus de la rivière en crue.
Nous vîmes alors la dévastation des alentours du fleuve. Le drone survolait des régions entières dévastées par la crue, des hommes et des femmes sur les toits de leurs maisons, des arbres emportés par le flot. Quand le drone arriva au-dessus du village de Mines, nous poussâmes des cris de joie. Les capacités du drone nous ont permis de localiser précisément les personnes en difficulté et d'envoyer les secours dans les zones les plus touchées. Hey, Tan, tu penses que le drone il peut servir de relais pour les communications ? Attends, je vais voir. Mais enfin, Tan, c'est le béaba, qu'est-ce que tu crois ? J'y ai déjà pensé. La communication était rétablie avec Mine, il put nous faire un rapport plus détaillé sur les besoins. Ok, je vais contacter la sécurité civile de Canteux pour leur transmettre les coordonnées des villages et des routes. Mais peut-être que notre cher Ha peut nous faire une petite liste de tous ces lieux. Je crois que je t'ai appris à écrire, mon cher petit robot. Attention, monsieur Tan, je risque de perdre mon humour. Ensuite, tout est allé très vite. Les secours sont arrivés dès le lendemain et notre drone a continué à guider les opérations, sans oublier Ha. Les images des inondations firent le tour du monde pendant des semaines et des pays comme le Burkina Faso et la France firent même des dons de vivres, de vêtements et de couvertures. Grâce à Ha et au drone, j'étais fier d'avoir contribué à aider les secours à venir en aide aux populations. Avec la puissance et la précision des robots, nous avions pu agir très rapidement et sauver beaucoup de vies humaines. Nos robots et ceux des pays amis avaient aidé à faire comprendre que la paix et l'entraide étaient maintenant les seules chances pour notre planète de continuer à nous accueillir. Thank you.
Καλά Γεωργία, απλώς έτεινα καλά, ωραία, τέλεια. Τώρα η Μιράντα θα απλώσει πάρα πολύ προσεκτικά το φύλλο που κρατάει. Αυτός είναι πλάστης και αυτό εδώ είναι φυλός και με τα μαθηράκια. Thank you.
Petit quoi? Drone. Qui vient du ciel? Non. Mmh. On achète. Ça, c'est un drone que je vais faire. Ah ouais, celui-là, il est rouge. Mmh. Il est rigolo, ce drone. Ah bah oui, il est rigolo, ce drone. C'est un drone qui vient du ciel. Il nous amène du soleil oui. qui vit tout là-haut. Thank you.
Ici, c'est quoi comme quartier ? Ben, c'est Sidi Bou Nassef. Sidi Bou Nassef. Aussi ? D'accord. Et c'est un quartier ? Ben, populaire. Bien sûr. C'est parmi les quartiers les plus pauvres au niveau de Gaza. Dans les quartiers périphériques, ils sont très, très, très pauvres. Très, très, très pauvres. Avec toi dans tout autre monde, d'une planète sans fin.
Se une con el objetivo de llegar a la ciudad sagrada, donde encontrarán el cristal encantado que le da a la Tierra la paz que los jugadores están buscando para regalarla al planeta. Quien los guiará en este juego es un avatar que lo escogen entre los jugadores. El avatar les explica cuál es el sentido del juego, les muestra el escenario en el que van a jugar, les venda los ojos para que vean con sus ojos internos y logren encontrar la verdadera paz dentro de ellos. Así llegarán a la ciudad sagrada. El premio es llegar unidos. El grupo debe llegar unido a la ciudad sagrada, ayudándose unos a otros con las pistas que los drones van dejando caer a medida que los jugadores ascienden las escalinatas, con todas las dificultades que van encontrando durante el camino. Robo et ceux des pays amis avaient aidé à faire comprendre que la paix et l'entraide étaient maintenant les seules chances pour notre planète de continuer à nous accueillir. Monsieur, vous pouvez lui apprendre à faire la paix ?